1931, donc Adolf Rickenbacker va commercialiser les premières guitares électriques qu'on appelle solid body, parce qu'en fait elles ont un corps de bois plein. Ces premières guitares électriques de chez Rickenbacker, qu'on appelle des frying pans, c'est-à-dire littéralement des poêles à frire. Alors, l'invention de la guitare électrique a suivi de près celle de l'amplificateur électronique, parce que un brevet de capteur électromagnétique a été déposé déjà en 1909 et accordé en 1911. Il était prévu d'ailleurs, ce capteur était prévu initialement pour le piano, mais il pouvait aussi s'appliquer à tout instrument à cordes en acier. On peut attribuer les premières démarches d'amplification à un guitariste qui s'appelle Georges Beauchamp, qui pratiquait lui plutôt la guitare hawaïenne au début des années 30. Après avoir déposé d'ailleurs l'un des premiers brevets de la guitare à résonateur, ce que certains appellent le dobro, Beauchamp va s'associer à Rickenbacker pour créer le premier micro-guitare, accompagné bien sûr du premier ampli, construit par un fabricant de radio qui s'appelle Van Netz, dans sa boutique à Los Angeles. Donc les premiers amplificateurs pour guitare Rickenbacker affichent une petite puissance, hein, approximativement de 10 watts, et utilisent la technologie radio, tube électronique et petit haut-parleur. C'est en 1936 que Gibson et sa marque de guitare lancent l'ES-150. Gibson deviendra l'un des premiers fabricants d'amplificateurs pour guitare par la suite, et dont le premier modèle d'ampli Gibson apparaît au catalogue de la marque en 1935. Voilà, on regarde tout de suite quelques extraits du documentaire dont je vous avais déjà parlé, dans sa version française, Soundbreaking, numéro 1, La Fée Électricité. Le premier truc vraiment important pour la guitare électrique, ça a été Charlie Christian. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il a été important. C'est John Hammond qui l'a découvert. John Hammond a contribué pendant des décennies à dessiner les contours de la musique populaire américaine et du jazz. Il réunit Charlie Christian et Benny Goodman, ce qui rend la guitare électrique incontournable. Et non seulement il dégote Christian dans l'Oklahoma, mais il l'impose à Goodman. Imposer un noir au plus célèbre chef d'orchestre blanc qui, en plus, déteste les guitaristes. Depuis le début des années 30, être guitariste de jazz, c'est jouer dans un big band des accords à la guitare acoustique et rien d'autre. La mélodie n'est pas assez audible pour la jouer. Mais vers 1939, Gibson sort un amplificateur pour guitare. Ça coûte $150 environ et Charlie Christian en achète un. Hammond est certain que Goodman va flipper quand il entendra qu'un guitariste peut désormais jouer aussi fort qu'un saxophoniste et finalement refuser de prendre Christian. Il lui dit alors, Benny, accorde-lui une audition, juste une. Il vient de l'Oklahoma. Dès que Charlie s'est mis à jouer et que le son de sa guitare est sorti de l'ampli, le Benny Goodman sextet est né. Pour la première fois, la guitare n'est plus un instrument d'arrière-plan. Avant, elle était couverte par les saxophones, les trompettes. Désormais, on n'a qu'à mettre l'ampli plus fort. Et tout d'un coup, on n'a plus besoin des cuivres. Le fait qu'un noir ait alors joué de la guitare électrique, ça a ouvert beaucoup de portes. Parce que quand on écoute Charlie Christian, on sent qu'il y a un lien direct entre le son de sa guitare et le blues. Bon, en 1940, en tout cas, les amplificateurs Rickenbacker influencent entre autres Léo Fender, qu'on va retrouver sur une autre affaire, et qui au début des années 40 a une activité plutôt de maintenance d'amplificateurs dans son magasin en Californie. Donc lui, Léo Fender produira son premier amplificateur, le Woody Deluxe, dès 1946, suivi de plusieurs autres modèles après. Donc il faudra attendre plutôt les années 50 avec la popularité de la guitare électrique qui va entraîner une demande pour des amplis de plus en plus puissants. Donc en 49, Leo Fender commence la production du modèle Super Amp qui lui déjà affiche une puissance de 50 watts. Et puis le Twin Amp qui apparaît en 52, qui sera modifié en 58 pour porter sa puissance à 80 watts.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la playlist